Oui, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Donc nous voilà bah, pour la suite de Dragon Quest. Hein. 9 ou 8, je sais plus. Très bonne question, direz-vous. Hein. Enfin, en attendant le 11, quoi. Voilà. Alors, parcours. 13 000, cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ce sera déjà ça. Petit pouce bleu, pourquoi pas un petit commentaire. Et donc là, je suis. Ah! Bienvenue, vous qui cherchez l'alarme, ok. Ah cool. J'ai bien fait de faire ça. Oh bah le coup il y a un monstre. Bon, on va tuer un requin. Hein. Alors. Vous qui soyez. Non, je suis prêt. Donc nous sommes dans le labo, dans le labyrinthe. On s'était laissé devant la porte la dernière fois, puis on est dedans. Hein. Je ne sais pas tout faire parce que ça sert à rien. Il y a plein de combats, tout ça. Et nous y allons. Je suppose évidemment qu'il y a un boss. Voilà, nous étions arrivés par là-bas en face. Il faut faire tout le chemin et on arrive ici. Pour prendre, bah, je sais pas quoi, on va voir. Attention, suspense. Évidemment. Alors, aha, une grosse boîte. D'accord. C'était quoi? La probabilité de porter un coup critique. Ok, bon, de toute façon, on prend le même. On va essayer de se transformer. Ça commence bien. Enfoiré. Qu'est-ce que je peux soigner? On s'est transformé, on s'en fout. Bah oui, je viens de tabasser. Putain, mais il fait chier. Ah ouais, d'accord. Mais non. C'est vrai que je vais faire. Allez, 100. Oh putain, c'est presque. Oui, il faut qu'elle ait une 100 en fait pour pouvoir se transformer. Voyons voir, ça c'est 30. Donc 6, 7, 8. Allez, 100. Putain, mais tu fous de ma gueule ou quoi? Oh non! Tout le monde dort.
Alors encore. Ouf, putain, j'aurais pu les faire 80. J'aurais été dans la merde. Oh, ça recommence à zéro. La honte. Putain. Non, trop peu de boutons. Normal. Ah, ça y est. Voilà. Ouf, heureusement ça m'aura tué mon bonhomme. Je ne dis pas j'entends dans... Question. Allez, on voit que c'est un boss. Pour donner la vie. Ok, non, non. Ok, là, qui mène de la vie, c'est bon. On l'aura tout doucement, mais on l'aura. Ouf, j'ai trop d'or pour sinon je serais mort. Parfait, donnez les gants dans le temps qu'il dort. T'en fous, il dort. Merci, il a réveillé. Il a la vie, le mec. Hein. Heureusement, ils se prennent la vie eux-mêmes. Donc, au moins, je suis tranquille. Il n'y a rien pour ressusciter, c'est dommage. Putain. On voit qu'il y a lui, hein.
Putain, mais tu fais chier! Eh ben moi ça me réveille. C'est déjà ça. Connard. Bien chiant ce combat. Putain. Faut te faire mettre. Ça me saoule. Bon, quand il n'y aura plus de MP, il ne le fera plus. Hein. On recommence à zéro. Un petit peu long. Hein. Deux fois de suite. Ah ça y est. Merci. L'arme de Vénus, normal, c'est ce que je voulais. Tout pillé, c'est très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on s'échappe. On revient au début. Je vais pas tout refaire tout faire à l'envers. Hein. Vous rêvez là. Bon bah voilà. Donc voilà où nous étions. Je sais pas trop ce que je fais là, on va dire, mais bon. Bon, est-ce qu'il faut aller? En fait, en face, non, c'est la maison, je pense. Donc, bon, on va y aller tranquillement. Alors, oui, il faut aller dans sa ville à lui, en fait.
problème, c'est que j'ai pas volé cette ligne. C'est juste ça en fait le problème. Où se trouve sa ville? Enfin son village. On va voir s'il est fort. Bon ça va. De toute façon ça fait que 15 minutes. Donc on va attendre d'avancer un petit peu. C'est là-bas, hein, je vois que ça. Hein. Pas du tout. Par là environ. Après, je cherche un village. Bon, c'est la fois je vais m'en téléporter, hein, de toute façon, pour se garder. Tout le chemin. Donc si je fais, je vais faire pause et puis je remettrai quand je serai quelque part ou je vous dirai. À tout à l'heure.